chaque collaborateur DG doit être évalué par le DG. Le DG même est évalué. Maintenant, comment faire l'évaluation? La ligne de base, c'est d'abord les fiches de poste de chaque agent. Ce pack, nous l'avons commencé au temps des quarts d'heure. Au temps des quarts d'heure. Et le pack était intitulé Évaluation des performances individuelles. On avait d'abord démarré par la phase diagnostic. Donc, on en était là quand bon, le secteur agricole a subi les réformes qui ont donné naissance aux ATDA et aux DDAEP. Les structures naissantes, comme vous le savez, madame, ont besoin d'être guidées, éclairées, accompagnées. Pour opérationnaliser le pack d'évaluation des performances, il faudrait que les agents qui servent au niveau des DDAEP aient d'abord leur fiche de poste, parce que c'est la référence même. Et donc, ce paquet a été pour nous un outil de taille, vu que il faut d'abord définir ce sur quoi nous travaillons avant de pouvoir faire l'évaluation. Donc tout ça mis ensemble, aujourd'hui les agents disposent de leur cahier de charge, de leur fiche de poste. Ils savent à quoi est-ce qu'ils sont astreints et ils savent ce sur quoi nous allons les évaluer. Et tout le paquet qui a été défini en termes d'évaluation des performances est en train d'être déployé. Donc ce pack nous a amené à élaborer les fiches vertes. Les fiches vertes, c'est quoi? En fait, c'est les outils sur lesquels on doit se baser pour évaluer les performances. Et quand on parle des fiches vertes, il y a les fiches vertes d'indicateurs d'activité et les fiches vertes d'indicateurs de performance. D'ici fin décembre, je pense que nous allons boucler entièrement l'évaluation des performances des agents avec lesquels nous travaillons, puisque un certain nombre d'agents, il y a un certain nombre d'agents pour lesquels les contrats arrivent à une première expiration, puisque c'est des contrats de 2 ans renouvelables. Contrairement aux anciennes habitudes qui amenaient les supérieurs hiérarchiques à noter les agents, il faut d'abord partir des outils et basé sur des principes. C'est bien dit que c'est sur la base des résultats apportés par chaque agent que le contrat sera renouvelé. Les critères sont clairs dès le départ. Chaque agent, chaque collaborateur sait désormais que son N plus 1, c'est-à-dire sa hiérarchie, c'est tel. Voilà les objectifs sur lesquels les résultats sur lesquels il est attendu. Et voilà les outils avec lesquels on va l'évaluer. Moi, j'appelle ça souvent la chicotte de l'agent, parce que c'est dedans défini tout ce qu'il faut pour pouvoir apprécier la performance de l'agent. Il y a 4 principes fondamentaux. Il y a l'objectivité, la transparence, le réalisme, la sincérité qui doivent gouverner le mécanisme d'évaluation des performances. Et donc, cette logique dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec les agences territoriales de développement agricole change un peu la manière dont nous avons travaillé par le passé, puisque nous sommes orientés résultats. C'est vrai que par le passé, on était orientés résultats, mais les outils n'accompagnaient pas toujours pour faire l'évaluation comme cela se doit. Maintenant, il faut noter que, bon, déjà, avec cette formation que nous avons reçue l'année passée, au niveau de la DDAEP Mono, nous, on a changé un peu d'habitude, notre habitude par rapport à l'évaluation des performances. Puisqu'on n'avait pas encore fini l'élaboration des fiches vertes, donc pour évaluer le personnel en 2018, on s'est basé sur les fiches de poste et les indicateurs, non, les livrables. Les livrables. Donc on a fait l'effort que les évalués présentent à l'évaluation les livrables qui doivent rendre disponibles à travers leur fiche de poste. Et ce sont sur ces éléments qu'on s'est basé pour pouvoir évaluer la performance de chaque agent.
Mais aujourd'hui, nous sommes suffisamment outillés pour pouvoir faire une bonne évaluation des agents. Et puisqu'ils savent à quoi ils sont astreints, ils doivent pouvoir être en mesure de d'abord de s'évaluer eux-mêmes et ensuite que les différents responsables à divers niveaux puissent faire cette évaluation-là avec aisance. Il faut d'abord reconnaître que l'avènement des fiches de poste a responsabilisé chacun à son poste. Aujourd'hui, quand il y a une insuffisance de travail à votre poste, c'est que c'est... on le voit. Vous voyez? Quand on prend votre fiche de poste, ce que vous devez faire, tout est dedans. Vous voyez? Si vous ne le faites pas, c'est que les responsabilités sont situées, quoi. Cet état des lieux, couplé du diagnostic, a permis d'identifier réellement un certain nombre d'actions qui puissent permettre que nos collaborateurs et l'ensemble des acteurs avec lesquels nous travaillons soient à un niveau donné de débat pour que les actions de promotion des filières qui nous sont dévolues puissent être une réalité. Au PAC, je donnerai 17 parce que, bon, en l'ayant expérimenté, j'ai constaté personnellement que si vraiment on doit mettre en œuvre ce PAC, on peut changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Maintenant, pourquoi 17 et non sur 20? C'est que l'écart de moins 3 là, c'est à corriger à travers les accompagnements. Il faut sensibiliser, il faut recycler davantage. Comment il faut exploiter les résultats de ces évaluations? Mais on est jusqu'à au moins 17. C'est la démarche d'abord qui était intéressante. Et donc, en termes de démarche méthodologique, nous avons construit ensemble tous les paquets. Et cette construction a permis de dépouiller déjà un certain nombre de choses par rapport à ce qu'on recherche chez quelqu'un, sur quoi on peut l'évaluer, quels sont les indicateurs, quels sont les outils. Et la démarche participative a permis réellement d'outiller celui qui a suivi ce parcours-là pour que, je ne dirais pas qu'il devienne un expert, mais il est en route pour être un expert.